Tu vas remplir le ciel, tu vas apporter la bonne nouvelle. Gloire à Jésus. Nous allons prier que le Seigneur accorde l'intelligence, la sagesse, que le Seigneur le remplisse de son zèle, que le Seigneur le remplisse de ta flamme. Maintenant, au nom de Jésus, prions au nom de Jésus. Seigneur Jésus, je prie maintenant pour ton serviteur Ézéchiel. Seigneur, à partir de ce moment, Seigneur, oui, ton fils a ouvert la bouche. Et il demande, Jésus, que tu remplisses de l'intelligence, que tu remplisses de la sagesse, que tu remplisses de ton zèle, que tu remplisses maintenant de cet amour, de parler à toi. Je te prie maintenant, Seigneur, que le ciel s'ouvre maintenant. Je prie à l'instant, Seigneur Jésus, accorde l'intelligence, accorde le zèle, la puissance. Le feu, Seigneur, la sagesse, remplis-le maintenant. Seigneur, à partir de ce moment, accorde un manteau d'évangile, un manteau d'aller annoncer Seigneur Jésus, oui, ton retour avec foi, avec puissance dans notre Jésus. Et tous les dons que tu as cachés en lui, Seigneur, ranime tous les dons, le don de guérison, le don de puissance, tous les dons spirituels, le don de discernement. Seigneur, je prie que tous tes dons se manifestent dans le nom puissant de Jésus. Seigneur Jésus, reçois la gloire. Au nom puissant de Jésus, t'en prie. Amen. Voilà.
Ézéchiel, aujourd'hui, nous te baptisons au nom de Jésus. Tu es mort avec nous. Tu es ressuscité avec nous. Dans le nom de Jésus, remplis. Seigneur Jésus, je prie maintenant. Seigneur, remplis-le maintenant. Remplis-le. 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 Donc déjà, il témoigne, la Bible dit que l'Esprit de Dieu en nous, nous témoigne que nous sommes réellement enfants de Dieu. Il dit quand il est plongé, sorti, il a senti un changement en lui, que Dieu a transformé ta vie. C'est Dieu qui transforme les vies. À partir de maintenant, le Seigneur fait de toi un nouveau soldat dans le roi de Dieu, dans le roi de Dieu. Gloire à Jésus, que le Seigneur soit avec toi et que le Seigneur t'accompagne. Amen. Yes! 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 Shalom mon frère David. Comment tu vas? Ça va chérie. Gloire à Dieu. Qu'est-ce que tu sens tellement là? Moi je sens la joie. Amen. Le fruit de cet esprit c'est la joie. Donc notre bien-aimé dit qu'il sent la joie en lui. Donc le Saint-Esprit d'abord témoigne sa présence en lui. Gloire à Jésus. Dis-nous frère David, aujourd'hui c'est un nouveau jour au ciel. C'est un nouveau jour dans le monde spirituel, dans ta vie. Et aujourd'hui tu es fait d'eau au monde. Et fais donc aux gens morts. Et tu veux maintenant marcher avec le Seigneur en écoute et en vérité. Dis-nous, qu'est-ce que tu veux que le Seigneur fasse pour toi après ce moment de baptême? Après ce moment de baptême, je veux que le Seigneur me maintienne dans la vérité.
Amen. Parce que c'est lui qui m'a montré le chemin à la vérité. Amen. Donc je veux que, par sa force, par sa puissance, il me maintienne dedans et il me maintienne dans la marche. Gloire à Jésus. Amen. Donc, qu'est-ce que vous voulez que vous-même voulez faire pour le Seigneur? En réalité, c'est comme une promesse que vous voulez faire à Jésus. Qu'est-ce que vous voulez faire pour Jésus, pour glorifier ton Seigneur? Ce que je vais faire pour glorifier le Seigneur, c'est que je le sais toute ma vie. Amen. Donc, je veux que sa gloire, sa vie se montre à chaque instant de ma vie. Amen. Et que toute ma vie soit dédiée à lui. Amen. Gloire à Jésus. Alléluia. Mais vous voulez serviteur de Dieu. Tout le monde est serviteur de Dieu. Voilà. C'est pourquoi je dis moi-même là. Je dois être serviteur de Dieu. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Nous allons prier pour le bien-aimé. Nous allons prier que le Seigneur lui accorde ce que son cœur désire. Tout ce qu'il a témoigné devant le Seigneur. Tout ce qu'il veut faire pour le Seigneur. Élevons la voix, prions. Seigneur Jésus, je prie maintenant pour ton serviteur, pour ton fidèle. Seigneur, il dit que Seigneur Jésus, ce qu'il veut de toi, c'est que tu le remplis de ta puissance. C'est que tu le remplis maintenant, oui, Seigneur Jésus, de ta maison, de ton esprit. Seigneur, il veut, Seigneur Jésus, demeurer avec toi. Il veut marcher toujours avec toi. Il veut que tu le maintiennes, Seigneur Jésus, par la vérité, Seigneur Jésus. Il a découvert, Seigneur Jésus, oui, au travers de la chaîne de crime, au travers de Voilà. Aujourd'hui, frère David, nous te baptisons au nom de Jésus. Tu es mort avec nous. On reçoit avec nous. Seigneur, nous te remplissons. Équipe-le. Maintenant, dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, mets de lui dans ta lampe. 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 Et que sa lampe déborde. Que ta lampe déborde. Que ta lampe déborde. Que ta lampe déborde. Que ta lampe déborde. Maintenant même, dans le nom puissant de Jésus, c'est tous les dons que tu as bien vu, que ce don se lève et t'adore. Que c'est tous tes dons se lève pour t'adorer. Que tous tes dons se lèvent pour t'adorer. Maintenant, tout ce qui est mort en lui, reprends la vie. Reprends la vie. Reprends la vie. Reprends la vie. Maintenant, prends vie. Maintenant, prends vie. Maintenant, dans le nom puissant de Jésus, Seigneur Jésus, reçois la gloire. Au nom puissant de Jésus, d'en prier. Amen. Voilà. David, dis-nous quand vous étiez plongé et sorti de l'eau, qu'est-ce que vous avez senti? Qu'est-ce que vous avez remarqué à nouveau dans votre vie? J'ai senti un changement de ma vie. J'ai senti une vraie régénération. Gloire à Jésus. Dans le Saint-Esprit, il a régénéré. Il a su que désormais, il est
vraiment une nouvelle personne en Jésus. Et nous bénissons le Seigneur Jésus pour être témoin qui vient de l'intérieur. Nous bénissons le Seigneur Jésus. Gloire à Jésus. Alors, et frère David, que le Seigneur t'accompagne dans la marche. Amen. Que le Seigneur te fortifie. Amen. Au ciel. Est-ce que vous vous êtes dans la joie? Je suis dans la joie, tellement dans la joie. Amen. Vraiment. Gloire à Jésus. Amen. Ce que j'attendais très fort longtemps. Le Seigneur l'a accompli. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Nous bénissons le Seigneur Jésus. Amen. Voilà. Et aujourd'hui, c'est un nouveau jour aussi dans votre vie. Amen. Vous voulez effectuer la nouvelle naissance par le baptême d'eau au nom de Jésus. Gloire à Jésus. Qu'est-ce que vous voulez que le Seigneur fasse pour vous après ce moment de baptême? Bon, après ce moment de ce baptême, selon ce qu'il est écrit dans Éphésiens chapitre 1, verset 17 à 2, je demande à notre Dieu de gloire de me donner l'esprit de sagesse, et de révélation, dans sa parole. Amen. De m'éclairer. Amen. De sa vision. De vous éclairer, vous. Mettez-vous dans l'air. Oui. Le verset 18, le début là. De m'éliminer. Voilà. Les yeux de mon esprit. Amen. De mon cœur. Amen. D'illuminer. Amen. Les Amen. Yeux de mon cœur. Claire. Oui, je veux aussi recevoir le Saint-Esprit. Je veux le voir. Franchement, ça fait longtemps. Moi, je criais vers lui, mais il ne s'est jamais montré à moi. Je voulais expérimenter cela. Oui, oui, je voulais le voir, entendre. Comme il me voit, il m'entend. Moi aussi, je voulais l'entendre et le voir. Après de recevoir cette semence du Seigneur Jésus-Christ, c'est de prêcher et de lui gagner des âmes. Amen. Parce que sans son esprit, je ne peux rien faire. Amen. Donc c'est pour cela que je demande sa puissance dans Amen. Ma vie. Nous allons prier pour Amen. Ma soeur. Quel nom le Seigneur vous a donné pendant votre moment de vie? Dans les Écritures, quel est ce nom qui vous a dit, que vous aspirez à voir? C'est le Saint-Esprit. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Je viens décider maintenant. Gloire à Jésus. Là, je saurai que c'est lui qui est là. Je veux rien choisir. Gloire à Jésus. Je veux que lui-même choisisse mon nom. Voilà. Même chose. Donc, le Saint-Esprit nous a inspiré le nom. Parce que depuis quand on est rentré dedans, moi, je suis dans la joie. Donc, cette histoire qui m'amène à vraiment reçu un nom de la Saint-Esprit. Amen. J'ai dit que le Seigneur a confirmé le nom. Amen. Amen. C'est ce nom, c'est ce nom. Gloire à Jésus. Voilà. Gloire à mon Seigneur Jésus. Amen. Amen. Nous allons prier que ce nom soit attaché à l'âme de notre sœur. Que ce nom soit attaché à ta vie, soit attaché à ton esprit, soit attaché vraiment à tout ce qui fera vraiment après ce moment de baptême. Que ça témoigne réellement la vie de Ruth.
et que les bénédictions qui accompagnent ce nom, l'onction qui accompagne ce nom, vraiment soit attachée à ta vie. Prions au nom de Jésus. Seigneur Jésus, je prie maintenant pour ta sérénité riche. Seigneur, le nom que tu l'as accordé, ce nom de Jésus, oui, et puis que Dieu soit ta prochaine Jésus. Je prie que ce nom soit touché à ton âme. Que ce nom soit attaché à ta vie. Que ce nom soit attaché à ton esprit. Que ce nom soit attaché à Jésus. Oui, à ta vie. Non pour le temps de Jésus. Seigneur, je prie que tous les bénédictions qui accompagnent ce nom soient attachées à ta vie. Je accompagne ta vie dans le nom de Jésus. Que l'on soit de Jésus. Oui, de qui accompagne le nom de Jésus. Je prie maintenant, papa, que cette onction coule maintenant. Que cette onction coule maintenant de ta vie. Dans le nom puissant de Jésus. Seigneur Jésus, reçois la gloire. Nous prions également. Seigneur, elle veut que tu la remplisses, Seigneur Jésus. Oui, de ton esprit. De ton esprit de force. De ton esprit de révélation. Je te dis de sortir. Je dis, je prie maintenant. À l'instant, si nous levons la voix, que le ciel s'ouvre. Et que tu as rempli. Au nom de Jésus, je veux te voir. Seigneur, tu as dit, celui qui me cherchera, je me laisserai trouver par lui. Je prie maintenant dans le nom puissant de Jésus. Par cette désir de voir, par cette désir de voir, dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, laisse-toi trouver par elle. Laisse-toi trouver par elle. Dans le nom puissant de Jésus. Tu as dit, s'il y a une intelligence sur la terre, qui va te chercher, que toi tu vas te laisser trouver. Je prie maintenant, parce qu'elle a reçu cette intelligence de te trouver, de te chercher. Seigneur, laisse-toi trouver. Laisse-toi trouver, Seigneur, dans ta vie, dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, élimine tes yeux spirituels. Éclaire tes yeux spirituels. À partir de maintenant, éclaire maintenant tes yeux, les yeux de ton cœur, dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, je te retourne la gloire. Au nom de Jésus, dans ta vie. Amen. Vous allez faire comme ceci. Voilà, et vous allez fermer. Vous allez voilà, fermer les narines pour que l'eau n'entre pas. Sœur Rita, aujourd'hui, nous vous baptisons au nom de Jésus. Vous êtes moi, À partir de ce moment même, je t'explique de Dieu, équipe son argent, équipe la vie, équipe la, le temps que tu as de salut, de ta gloire d'agitisme, de ta acceptation de vérité, de ton zèle, de l'évangile, de l'équipe de
le ton bouclier. Et puis là maintenant, Seigneur, j'ai dit, dans ton épée de l'esprit. Et que l'épée de l'esprit soit attachée à ta vie, attachée à ta bouche. Dans le nom puissant de Jésus, je te dis que Dieu reçoit la gloire. Seigneur, moi là maintenant avec ton aussi. Moi là maintenant. De ton nom, Seigneur, sème en lui ce désir, la soif de prier, la soif de prier, la soif de méditer, la soif de méditer, la soif de jeûner. Maintenant, dans le nom puissant de Jésus, nous reçois cette soif de la part de cet ami, dans le nom puissant de Jésus. Nous reçois maintenant, oui, ce sentiment de sentir à tout moment la présence de cet ami. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons jeûné la prière. Amen. Amen. Voilà, c'est